J'ai posé dans la rivière une sculpture en bronze. C'est une colonne, comme un socle, qui va réagir avec l'eau et la boue, le soleil, pendant maintenant 4 mois. Des plaques de cuivre et des grandes surfaces de tissu qui sont superposées vont être exposées à un processus photographique, c'est-à-dire le soleil et la réaction chimique entre le cuivre et son oxydation. Je suis très liée à la notion du temps, donc à la fois le temps dans le sens du temps qui passe et à la fois le temps, la météo. Les poignées de porte en acier à l'entrée ont été échangées contre des poignées de porte en cuivre. Et le cuivre est très réactif et il est très sensible, donc il réagit à tout ce qui le touche, c'est-à-dire l'humidité, mais aussi les mains des personnes qui entrent dans le musée. Alors les trois éléments vont, après leur production, intégrer l'exposition et c'est seulement à ce moment-là qu'ils vont devenir une œuvre.